communauté chrétienne de Terre Sainte et les autorités ecclésiastiques et civiles se sont rassemblés sur le mont des Béatitudes pour faire mémoire du discours sur la montagne. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens s'est terminée le 28 janvier. Efforcez-vous d'être totalement juste, était le thème choisi pour les 8 jours de réunion de prière œcuménique. La Terre Sainte est un lieu privilégié pour étudier la Bible. C'est pourquoi chaque année, la congrégation de Notre-Dame de Sion organise des cours sur les Saintes Écritures. Le monastère Saint-Georges est considéré comme l'un des plus importants monastères orthodoxes de Terre Sainte. Situé entre la ville sainte et Jéricho, il abrite des moines dédiés à la dévotion et à l'ascèse. Dans le dernier service de la série « Les sens de la Terre Sainte », nous nous immergeons à travers le goût et l'odorat pour ressentir les saveurs et les arômes de cette terre sacrée. Dimanche 27 janvier, la communauté chrétienne de Terre Sainte s'est réunie sur le mont des Béatitudes avec les autorités ecclésiastiques et civiles. Le sanctuaire est situé au milieu d'un parc magnifique et l'église rappelle le discours de Jésus rapporté par l'évangéliste saint Matthieu au chapitre 5, intitulé « Le discours sur la montagne ». La messe a été présidée par Mgr Pierre Battista Pizzaballa, administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, qui a salué tous les participants en soulignant la joie d'être dans ce lieu magnifique, dans cette belle église, et l'importance de célébrer les événements de la vie de Jésus. Commentant l'évangile du jour, l'administrateur apostolique a déclaré: dans notre église, ici en Terre Sainte, nous avons une chose que l'on ne trouve pas dans les autres églises. Comme dans toutes les autres églises du monde, nous célébrons les événements liturgiques, mais nous célébrons ici aussi les passages de l'évangile, de la vie de Jésus, comme nous le faisons aujourd'hui. Il est nécessaire de changer notre façon de penser pour comprendre les béatitudes, a déclaré Mgr Pizzaballa. Ce passage des béatitudes est très important. Nous devons changer notre mentalité. Nous voulons être puissants dans le monde. Nous voulons réussir, avoir la force physique, la santé. Et Jésus a dit tout le contraire. Il a dit « Heureux ceux qui ne sont pas puissants ». Pour comprendre cet évangile, ces paroles de Jésus, nous devons changer de mentalité. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, prenant la parole, il les enseignait. Il disait « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Matthieu chapitre 5. Des chrétiens de Terre Sainte, de diverses confessions, ont lancé leur appel à l'unité complète sous différentes formes de prière pendant la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Quelques jours après la date officielle, par égard pour la célébration de l'épiphanie des chrétiens arméniens, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, préparée par les chrétiens d'Indonésie, s'est déroulée du 20 au 28 janvier sur le thème « Efforcez-vous d'être totalement juste » Deutéronome chapitre 16, versets 18 à 20. Ces derniers jours à Jérusalem, les chrétiens et les représentants des différentes confessions se sont réunis dans les églises orthodoxes coptes et éthiopiennes, et enfin dans celles grecques catholiques. Des célébrations œcuméniques avec des liturgies, des langues et des rites différents, mais partageant le même objectif, atteindre la pleine unité qui est la volonté du Christ lui-même. Nous sommes enfants de la Knesset, nous sommes tous les messieurs,
Nous sommes des enfants de l'Église et en tant que chrétiens, nous portons tous le nom du Christ où que nous soyons, peu importe l'Église à laquelle nous appartenons. Ce qui nous unit est bien plus que ce qui nous divise. La préoccupation commune des chrétiens est l'unité de l'Église et nous devons tous travailler pour atteindre sérieusement cet objectif. Une semaine spéciale, une semaine de rencontres. Cette année aussi, a souligné le pape François, nous sommes appelés à prier pour que tous les chrétiens redeviennent une seule famille, conformément à la volonté divine qui veut que tous soient un. And I feel that the communion between the churches has grown a lot. Je crois que la communion entre les églises a beaucoup grandi. Et lorsque vous vous retrouvez ensemble en priant dans l'esprit, que vous soyez dans l'église éthiopienne ou catholique, même si elles sont très différentes dans le style de prière et dans la liturgie, ce qui est important, c'est l'esprit. Si vous avez l'esprit, si vous êtes unis dans la prière, vous ne pensez pas aux différences linguistiques, mais vous êtes vraiment unis dans l'esprit. United in this prayer, you don't care about the differences or the language, but you are really united in the spirit of prayer. Un groupe de 27 personnes originaires du Brésil, de Costa Rica, d'Espagne et du Mexique ont participé au cours biblique organisé par la congrégation de Notre-Dame de Sion en Terre Sainte. Les conférences étaient animées par des religieux de l'Institut ainsi que par des spécialistes en Écriture sainte, de l'histoire d'Israël et de l'histoire moderne de l'Église et du judaïsme. Un voyage fascinant de près de 30 jours à travers les livres bibliques. Nous avons traversé la Bible. Nous avons parcouru la Bible depuis la Genèse au Nouveau Testament. Et pour certains textes, avec une approche un peu plus historique en ce qui concerne l'histoire de la Bible et le dialogue entre l'Église et le judaïsme. En plus des cours théoriques, les étudiants ont fait des excursions au cours desquelles des épisodes de l'Écriture sainte ont pris forme. C'est une immense richesse de pouvoir visiter ces sites, de découvrir l'histoire, la formation du lieu et de lire, de trouver dans la Bible les passages bibliques qui éclairent un peu ces lieux. Nous accompagnons le groupe à travers le tunnel d'Ézéchias ou de Siloé. Le bâtiment a presque 3000 ans et est situé sous le mont du Temple. Lors de la visite du tunnel d'Ézéchias, par exemple, qui remonte au 6e, 8e siècle avant notre ère, nous avons montré comment la Bible s'enracine dans l'histoire et comment l'archéologie prouve ce que la Bible nous a transmis. Dans le cours, qui à chaque étape surprend les participants, il est possible d'admirer, par exemple, une partie des fondations du mur occidental. Le tunnel d'Ézéchias est mentionné dans les livres des rois. Quand Ézéchias vit que Sennachérib arrivait avec l'intention d'attaquer Jérusalem, il tint conseil avec ses officiers et ses vaillants guerriers pour obstruer les eaux des sources qui étaient en dehors de la ville, et ils lui apportèrent leur aide. La construction est mentionnée dans le livre des rois. Le reste des actions d'Ézéchias et toute sa bravoure, comment il fit creuser le réservoir et le canal et fit venir ainsi l'eau dans la ville, cela n'est-il pas écrit dans le livre des Annales des rois de Juda? Pour ce prêtre, le moment le plus important a été la visite de la basilique du Saint-Sépulcre. Nous y trouvons la dimension de notre foi qu'est la résurrection. C'est un lieu spirituel très riche. Je suis déjà entré parce que je suis venu ici plusieurs fois, mais chaque fois j'ai remarqué quelque chose de nouveau. Et j'ai fait une nouvelle expérience, même de prière. Des expériences qui vont au-delà des connaissances acquises. Ha sido realmente una experiencia extraordinaria, una experiencia maravillosa, sobre todo para lograr. Une expérience extraordinaire, merveilleuse, avant tout pour comprendre le sens des Écritures, non seulement de manière académique ou intellectuelle, mais aussi actualisée, concrétisée. Une chose est de lire les Écritures dans nos pays à distance, une autre chose est de les lire ici, sur place,
touchant pratiquement les pierres, les lieux. Las piedras mismas, los lugares mismos, es una experiencia indiscutiblemente extraordinaria. Le monastère grec orthodoxe Saint-Georges de Kosyba se trouve le long de la route qui relie Jérusalem à Jéricho. Situé dans l'une des plus célèbres gorges du désert de Juda, le Wadi el-Kelt, il évoque le psaume 23. « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. » Le monastère Saint-Georges, édifié en 476, est taillé dans la roche et forme une icône architecturale unique. En 614, le monastère fut détruit par les Perses et presque tous les religieux qui y habitaient furent tués. Leurs restes sont toujours conservés au monastère. L'ensemble du complexe est dédié au moine Georges, arrivé à la fin du VIe siècle. Au fil des siècles, les moines orthodoxes ont choisi de vivre dans les espaces réservés du monastère, visités par les touristes du monde entier malgré les difficultés d'accès au complexe. L'église orthodoxe célèbre la fête de Saint-Georges le 20 janvier. Les pèlerins arrivent tôt dans la soirée à pied ou à dos d'âne. Le lendemain, la fête a lieu à l'aube. Présidée par le patriarche orthodoxe de Jérusalem, Théophile III, elle est concélébrée par les moines et le clergé en présence de pèlerins locaux et étrangers. Beaucoup de femmes viennent ici pour demander la grâce de la maternité. Selon les évangiles apocryphes, Joachim a poussé son troupeau jusque-là, a pleuré pendant 40 jours la stérilité de sa femme Anne et a reçu par l'ange l'annonce de la naissance de la Vierge Marie. Dans le pays où coule le lait et le miel, l'expérience de la fusion de l'odorat et du goût nous fait apprécier la réalité multiculturelle de la Terre Sainte. Nourriture, condiments, odeur des fleurs dans le désert, salinité marquée de la mer morte en harmonie avec le paysage de la mer et des plages. Au sud, les grandes zones désertiques du pays. Au nord, des sols fertiles soumis à des activités intensives de culture et d'élevage, comme dans ce kibbutz ou les communautés agricoles dans lesquelles est produit le lait. Le processus de traite commence avant l'aube. Chaque animal produit jusqu'à 60 litres de lait par jour. Aviline dirige la dynamique du travail dans ce kibbutz. Ici, nous élevons nos animaux. Si vous regardez là, vous pourrez voir les veaux de 2 mois que nous gardons dans de petits berceaux. Ensuite, nous les retirons de ces berceaux et les plaçons avec un groupe plus important de vaches, de sorte qu'elles ne grandissent qu'avec les femelles, car nous n'avons ici aucun spécimen mâle. De ce côté, nous avons les veaux non encore sevrés, que nous déplaçons ensuite vers d'autres endroits en fonction de leur âge. À Jérusalem, tous les jeudis, il est très courant que les familles juives fassent leurs achats au marché de Mahane Yehuda, le marché juif de la ville, en prévision du repos sabbatique. Le jour saint des Juifs commence au coucher du soleil vendredi et se termine au coucher du soleil samedi, et renoue avec l'ancienne tradition juive consistant à réunir les familles autour de la table. Je viens sur ce marché depuis mon enfance, quand j'avais environ 6 ou 7 ans et que ma mère m'emmenait ici. Maintenant, je fais mes courses ici,
J'achète des fruits, des légumes et du poisson. Tout le nécessaire pour le repos sabbatique. Toujours à Jérusalem, près de la porte de Damas, dans la vieille ville, le marché, caractérisé par un grand mouvement. Il contient les goûts de la culture arabe. Le café arabe fort, avec son parfum et son goût typique, est très apprécié chaque matin. Notre métier remonte au premier temps de la famille, c'est-à-dire aux années 50, et nous avons continué sur la même piste depuis. Nous vendons différentes qualités de café. Nous vendons un café plus léger, aromatisé à la cardamome. Le café est généralement vendu à la demande du client, avec ou sans cardamome. Les gens achètent pour la plupart un mélange, 2/3 moins grillé et 1/3 du type plus foncé, avec ou sans cardamome, ce qui donne un goût particulier, à condition que le produit final ne soit ni acide ni amer. Ah, le pain, un des aliments fondamentaux de la culture arabe et juive. Dans la tradition juive, le pain est intimement lié à l'histoire d'Israël et au cycle de la production agricole. Chez les Arabes, il y a la coutume de manger du pain appelé pita avec le houmous à base de pois chiches. Les gâteaux arabes, comme le knafé, sont aussi une autre friandise traditionnelle. Et pour attirer le client, on construit même une montagne d'épices. C'est un autre trait distinctif de la cuisine arabe. Dans notre magasin, nous avons une grande variété d'épices. La première est le za'ata, qui se sert au petit déjeuner avec du pain, la pita. Nous avons plus de 80 types d'assaisonnement. Les épices sont utilisées pour cuire les légumes secs, le riz, la viande et le makloubé, un plat oriental, avec de la cannelle en poudre et parfois de la cardamome. Dans de nombreux passages de l'Évangile, Jésus parle de nourriture ou de lui-même le pain de vie. Jésus est né à Bethléem. En hébreu, la maison du pain. Le Verbe incarné se donne en nourriture dans l'Eucharistie. Dans le pays où le lait et le miel coulent en abondance, le sacrement de l'amour nous emmène au banquet de l'agneau de Dieu et à émaner la bonne odeur du Christ pour le monde.